Le désert d'Atacama au Chili a une superficie approximative de 105 000 km². Il est considéré comme le désert le plus sec du monde. Cette région est riche en minéraux avec 28 des réserves mondiales de cuivre. Il a un paysage de salines, de volcans et de lagunes. Ses attractions les plus populaires sont la vallée de la mort, la vallée de la lune, le volcan Lascar, la main du désert, la laguna séchée et le geyser de Tasio. Vous pouvez également voir des figures construites sur des collines ou des plaines. Le rayonnement solaire est très élevé et les températures dans la journée sont comprises entre 25 et 50 degrés Celsius. Pendant la nuit, la température peut chuter à moins 25 degrés. Le désert d'Atacama est très aride et les précipitations sont très rares. Elles ne peuvent donc pas être mesurées. Bien que janvier et février, il est affecté par les jours avec un peu de pluie. Cet endroit a des enregistrements de périodes sans pluie, plus de 400 ans dans certaines zones. En raison de la hauteur du désert et de la faible nébulosité, vous obtenez une vue dégagée du ciel nocturne. C'est donc le meilleur endroit sur la planète pour observer le ciel. Au milieu du désert, vous pouvez trouver le plus grand observatoire astronomique au monde, appelé ALMA. Ici, vous pouvez trouver le plus grand radiotélescope existant. De plus, les sols sont similaires à ceux de la planète Mars, en raison de sa sécheresse. Par conséquent, la NASA teste certains instruments lors d'expéditions vers Mars. En 2003, une équipe de chercheurs a publié un article scientifique intitulé « Les sols de type Mars dans le désert d'Atacama et la limite sèche de la vie microbienne ». Enfin, cet endroit est également connu pour les compétitions de rallye. Parmi les plus populaires, on trouve le rallye Dakar.